Bonjour, je m'appelle Dr. Tien et bienvenue à French 1311, chapitre 5, leçon 4. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier les magasins d'alimentation. Nous allons continuer l'étude des magasins d'alimentation. J'espère que tout le monde va très bien. Hello, my name is Dr. Tien and welcome to French 1311, Chapter 5, Lesson 4. Today we are going to continue to study food shops, food stores. I hope everybody is doing well. Ça va? Très bien. Ok. Page 139. 141. 39. 139, 141. Les magasins d'alimentation. Les magasins d'alimentation. Food stores, food shops. Continued from our previous lesson. Okay, so we also have some other shops that we couldn't study in our previous lesson. So today, we will study the food shop, la boulangerie. Répétez. La boulangerie. Répétez. La boulangerie. La boulangerie. Boulanger, the baker, right? So it's the bakery, right? And this will sound like English too. Pâtisserie. Pâtisserie. Pastry shop. Okay, à la boulangerie. Pâtisserie, à la boulangerie, à la boulangerie, pâtisserie, à la boulangerie, pâtisserie. Il y a, there is, or there are, un croissant, une baguette, the long, crispy French bread, une baguette, un pain de campagne, country bread, country bread. Campagne, country, round bread as against the long, crispy bread, right? Une baguette, un pain de campagne. Une tarte aux fruits. Fruit, fruits, okay? And then tarte, right? So fruit tarte or fruit cake, okay? Un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. Chocolate cake. Okay. Il y a aussi pour les magasins d'alimentation le marché en plein air. Le marché en plein air. Le marché en plein air. So to say at the outdoor. This is outdoor. Out, O-U-T, and then door, D-O-O-R, right? So outdoor market, it's marché, means market, right? So at the outdoor market, so here is just a combination of the preposition A and le, and it becomes O, you know that already. So au marché, en plein air, at the outdoor food shop, right? Il y a des fruits. Masculin, pluriel. Il y a aussi des légumes. Vegetables. Il y a des pêches. Peaches, right? Il y a des poires. Pears, right? Il y a des pommes. Apples. Il y a des fraises. Strawberries. Très bien, il y a des framboises.
Il y a des champignons, mushrooms, il y a des courgettes, Okay, zucchini, all right, zucchini. Des pommes de terre. Des pommes de terre. Potatoes, très bien. Des poivrons rouges, red pepper. Des poivrons rouges, red pepper. Des haricots verts. Don't do the liaison with haricots. I will explain it later on. Des haricots verts. Il y a aussi des fruits comme, there are also fruits like, des fruits comme une banane, une orange, une carotte, right, une carotte, légumes, un oignon, it sounds like the English, onion, une tomate, légumes. Il y a des fruits et des légumes comme une banane, une orange, une carotte, un oignon, une tomate. Au marché, à, combined with le, will become au. So, au marché en plein air. En plein air means outdoor. So, outdoor market. Des fruits, des légumes, des pêches, des poires, des pommes, apples, right? And then we have des pommes de terre, which means potatoes. Des fraises, des framboises, des champignons, des courgettes, zucchini, in American English. Okay, courgette can be used in the same way as the French in British English. Alright, des courgettes, okay, des pommes de terre, féminin, right, des poivrons rouges, red pepper, des haricots verts, une banane, une orange, une carotte, un oignon, une tomate. Okay, you can use the verb faire, right? Or the expression of the verb faire. Faire les courses. You know, you have to conjugate the faire part if you want to use it in the present tense. Faire les courses, to go grocery shopping or to do errands, right? Here, because we are talking about food shop, right? Faire les courses means to do groceries or to go grocery shopping. So you can say, je vais faire, I'm going to do groceries, right? Je vais faire les courses à la boulangerie. Ok? Je vais acheter un croissant, un pain de campagne et un gâteau au chocolat. Je vais faire les courses au marché en plein air et je vais acheter des framboises, des fraises, une banane, ok? Des poires et des haricots verts. Ça va? Très bien, au revoir et à bientôt.